chef d'orchestre, très très professionnel. Avec nous, bon, il a très très bien travaillé. Il y a un très bon travail entre elle et nous. Même le feeling, ça s'est passé très très bien entre elle et l'orchestre. On n'a pas travaillé beaucoup avec des chefs d'orchestre femmes, toujours avec des hommes. Le métier de chef d'orchestre étant essentiellement masculin, Nathalie Marin doit gagner l'estime des musiciens qu'elle dirige. Elle fait preuve à la fois de rigueur et d'énergie, offrant le meilleur d'elle-même à un orchestre qu'elle doit apprivoiser en peu de temps. She is a genius. I love her. She's very good. She knows how to ride the orchestra. Son tact, son mode de communiquer avec l'orchestre est très bon. Elle est française, mais elle est un peu caractère comme albanais. Elle est beaucoup, comment se dit, ouverte, comme nature. Elle porte beaucoup d'amour. Elle n'est pas jamais nerveuse. Elle a tous les problèmes résolvés avec un sourire. Elle est une personne très simple aussi. Elle est grande directeur, mais elle est très simple comme personne. Ce travail d'artiste impose une existence en mouvement, un quotidien fait de voyages et de découvertes. Cette vie est riche en rencontres et mélanges culturels, mais ne permet pas de s'enraciner quelque part. L'envie d'un lieu, d'un chez-soi, d'une famille, peut prendre beaucoup de place et ouvre parfois la porte aux doutes et aux regrets. Je suis fidèle à la musique et la musique m'est fidèle. Et c'est pour moi une compagne vraiment de tous les instants et une passion. Effectivement, moi ce qui m'intéresse, pas que dans la musique, dans la vie, c'est l'échange humain et puis l'émotion. C'est toute ma vie. Il ne reste pas beaucoup de place pour le reste. Mais ça, c'est des choix de vie. C'est les moments où on est peut-être dans une détresse qu'on peut arriver à trouver cette émotion et puis après peut-être à la donner et à l'offrir aux autres. C'est une volonté d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres modes de pensée et de fonctionnement. Et je trouve qu'ici il y a aussi des vraies valeurs humaines et je ne suis pas déçue par ce pays. Je trouve que on a beaucoup de leçons et de choses à apprendre, peut-être de choses qu'on a un peu perdues dans nos pays plus développés. La beauté du métier réside dans la faculté du chef d'orchestre à faire don de lui à la musique. L'ouverture, le partage et l'accessibilité à la musique classique sont, pour Nathalie Marin, les maîtres mots du métier. Le projet qui m'a été le plus difficile à gérer émotionnellement, c'est le projet que j'ai fait avec les enfants sourds. Parce que j'ai pas vécu avec eux, hein, mais j'étais proche et c'est un projet qui a duré sur 7 mois et qui a été très vraiment crescendo, qui a fini par un concert magnifique avec ces enfants qui étaient tellement heureux et qui ont tellement donné parce qu'ils étaient non seulement sourds mais avec des handicaps un peu, des retards mentaux dus à la surdité qui vraiment isole les êtres et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et je dois dire encore que je repense à ces enfants, j'ai demandé de leurs nouvelles. Je leur ai écrit, j'ai envoyé à chacun une carte parce que j'avais vraiment besoin de leur dire à chacun comment ils avaient travaillé, progressé. Là, j'ai vraiment la conviction
de laisser quelque chose et de donner quelque chose. Là, je suis assez plus sûre de moi.